Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance du mois de mars. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'ange Indigo, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés, les esprits de la forêt et l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti, donc sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance. Que va-t-il se passer pour cette guidance du mois de mars? C'est une guidance générale. Donc déjà, on voit beaucoup de choses qui ressortent. C'est vraiment pas mal. Pour les lions, mars. Magnifique. Donc ici, nous avons la présence de l'archange Ariel, le deuxième chakra, qui vous indique en fait tout simplement qu'elle peut arriver à vous guérir, d'accord? Vous pouvez donc du coup guérir de votre anxiété, de votre stress du futur. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des visions audacieuses. Vous avez ces visions du futur qui vont vous dire j'aimerais tellement y avoir. Est-ce que c'est possible que j'y aie? Est-ce que c'est vraiment possible que je puisse l'obtenir? Et si tout était possible, est-ce que je pourrais? Et voilà qu'ici, avec la lame de au-delà de l'esprit, le corps bas, la foi est la chose la plus importante. L'espoir, la foi de réussir à se sortir de toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Mais pour ça, pour que tu puisses réussir à entreprendre ta vie, il va falloir que tu trouves beaucoup de confiance dans le processus. Le processus de ta propre réussite, c'est la confiance. Tout commence par là, en posant des intentions positives. Plus tu vas poser des intentions, plus elles rentreront en résonance avec. La rêveuse te l'indique très clairement. Vision, transe, apparition, tu le sais très bien comme moi. Sois honnête avec toi-même. J'aimerais avoir ça. Mais si tu ne fournis pas les efforts nécessaires, si tu n'es pas curieuse, ouverte à d'autres possibilités, que ce que tu viens de faire dans ta vie du passé, alors rien ne va bouger. Parce que la première des étapes, c'est de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour attirer à toi, d'ailleurs frère nous l'indique, l'abondance, la paix, le contentement. Tant que tu auras un état d'esprit pauvre, que tu seras donc dans la frustration au lieu d'être dans la gratitude, tant que tu seras dans le manque au lieu d'être dans l'abondance, rien ne se passera. La corne d'abondance te l'indique ici. Qu'est-ce que tu as comme voiture ? Une grosse Mercedes, une grosse voiture, une Jeep.
Et pourtant, tu regardes les prix au magasin quand tu fais tes courses. Pourquoi? Tu as un désaccord. Tu veux montrer aux autres ce que tu n'es pas au plus profond de toi. Et la première des choses à faire est d'arriver à s'aimer. Le plus important, c'est de t'aimer toi-même. De te prendre dans les bras. Pourquoi? Parce que personne autour de toi ne le fera à ta place. La seule personne avec laquelle tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie, c'est toi-même. Même si tu as un partenaire, à un moment donné, vous allez vous séparer. Alors tu vas me dire, bah non, ça va être toute notre vie. Bah malheureusement non, parce qu'à un moment, il va y avoir un deuil, une séparation, un divorce. Donc, rien n'est à toi, même ton cœur physique ne t'appartient pas. Donc la première des étapes est de prendre soin personnellement de toi. Personne ne le fera à ta place. Donc, si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, si tu ne te sens pas bien, comment veux-tu réussir à entreprendre ta vie? Comment veux-tu arriver à prendre soin des autres si toi, tu n'y arrives pas pour toi-même et tes enfants? Donc la première des étapes est de prendre soin de toi pour pouvoir arriver à prendre soin des autres. Et sois honnête avec toi-même, tu fais le contraire. Arrête de te protéger de tout ce monde, de te dire « voilà, je peux faire confiance à personne ». Mais tu t'auto-sabotes toi-même. Là, je suis avec toi en guidance. Suis ta guidance antérieure. Ton ressenti, qu'est-ce que ça te dit en ce moment? Si tu as des pensées négatives, des ressentis négatifs en ce moment, comment ça se fait? Tout simplement, il y a énormément d'environnements, de personnes toxiques autour de toi qui t'empêchent de réaliser ta propre vie. Tu es si libre que ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais qui c'est qui s'auto-sabote? C'est toi-même. Avec des schémas négatifs qui sont en toi. Des pensées négatives qui sont en toi. Qui ne t'appartiennent pas. Et pourtant, que vas-tu faire maintenant? Que vas-tu faire maintenant?